Bonjour. Bonjour, vous allez bien. Ici c'est Julien et Jordan, j'ai TSP TV avec une nouveauté qui tue, Jo. Hélène, Ripley, de chez Prime Monsieur. Alors, et Bitsway. Et Bitsway, slash Bitsway. Oh, maintenant, on voit qu'il y a plus de travail Bitsway que Prime. Ouais. Tout Ripley, c'est Bitsway qui a travaillé en interne. Tout le socle, c'est Prime. Ouais, ça se voit direct. Enfin, ça se voit. Ça se comprend parce qu'on sait comment travaille Prime et comment travaille Bitsway. Alors ici, on est du très attendu. Le set alien, au final, n'arrête pas de se dupliquer, n'arrête peut-être pas de revenir sur le terrain, dans le sens qu'on a eu les gros aliens de fou, le Alien King, le Rogue, le Tusked. C'est vrai que là on a enchaîné et je trouve que c'est vraiment la pièce qui est à ne pas louper, c'est celle-ci. Parce que c'est grâce à elle, entre guillemets, la saga Alien a vécu et a autant donné. Parce que son jeu d'actrice est sublime, il n'y a rien à dire, je trouve que c'est une actrice qui a bien vieilli. Et en plus de ça, elle a toujours donné du cœur à l'ouvrage, on voit avec Avatar, elle y va à fond. Et franchement, il était temps qu'un vrai fabricant autre que Toys à l'époque sorte une vraie statue. Ouais, là, Toys c'était pas mal, mais c'est vrai qu'une belle statue un quart ou un tiers n'a jamais sorti auparavant. Je crois que même si ça a été chaud, ça me dit rien de mémoire. Après, ça fait 20 ans, donc des fois on oublie peut-être des trucs catalogue. Ici, on est sur une statue en format un quart. Alors, est-ce qu'elle va avec la Warrior dans le scale? Non. Bah oui. Oui, parce qu'il est accroupi. Il est accroupi. Mais ouais. Sinon, mais c'est pas la même échelle. Il n'y a pas d'alien qui va avec, malheureusement. Il n'y a aucun alien en fait dans un quart. Non. Surtout sur un non-scale entre un tiers et un quart. C'est ça, voilà. Ouais. Parce qu'on a présenté le Warrior, le Big Chap qu'on a présenté déjà. On doit recevoir le Big Chap tout droit qui doit arriver bientôt. Et je pense que c'est bien pour l'instant. En Alien, c'est fini. C'est après, Alien, c'est fini en fait. Alien, on a enfin fini après un an et demi. Parce que non, c'est enchaîné. Hein. Le Prowler, les Alien King, le Big Chap, le Warrior. 5 d'un coup là. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est-à-dire que le prochain showcase, mon gars, Alien, ils vont. Maintenant, voilà, il était temps. Parce que la nouvelle saga Alien doit démarre en 2024. Donc, il était temps de clôturer l'ancienne et commencer un nouvel ère Disney. Ça serait cool, ça serait pas mal. Donc voilà, alors ici on va commencer sur le visage qui est le plus important de Hélène Ripley. Sublime, alors quand je dis sublime, c'est abusé parce que c'est Sigourney Weaver à 2100% avec les cheveux, les gouttes sur le front. Le battle damage sur le visage, le painting de parfait, tout. Parfait. Et nickel. C'est-à-dire, franchement, Bitsway arrive à un travail. Pour paraphraser le scientifique dans Un cinquième élément, elle est parfaite. Parfaite. C'est un truc de fou. Alors, j'ai déjà, même les autres Bitsway qu'on a reçus, le Joker, etc., c'est des belles statues. Là, c'est pas une statue. Même le musée Greva, il peut aller se coucher. Mais sérieusement, c'est un truc de fou. Je trouve que la statue, elle a tout. Même le visage, l'expression, là. Tu vois, mec, c'est. Elle va te niquer ta race, tu vois. Elle a devant, même toi, tu vois, là, elle va brûler la gueule, choter dedans et tirer. Manque juste le t-shirt. Il n'y a pas de chat dans le deuxième abruti. Si, la gamine va chercher le chat. Je me souviens pas. Moi, je me rappelle du chat. Je me rappelle, la gamine, elle va absolument aller chercher le chaton. Moi, je me rappelle du chat dans le premier, dans sa valise, quoi. Ouais. Qu'elle travaille comme ça, tu te dis. Le chat, je sais pas comment il va après ça, mais bon, c'est pas grave. Le chat du 2. Mais il y a un 2. Hein. Dans le 2, il y a le chat. C'est la fille qui va chercher pas le chat, on s'en fout du chat. Bah, moi, j'ai pas revu le chat, en tout cas. Newt, j'irais dit, mais pas le chat Goose, là. Je sais plus comment il s'appelle. Bonjour, donc, ouais. Super, super, super beau visage. Magnifique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune démarcation. Là, le corps est d'un coup, parce que pour pallier à l'époque de Daenerys, où il y avait le collier qui cachait, les gens pétaient un câble. Ils ont bien fait. Ensuite, pour toujours rester dans la peau, on a cette peau douce. Alors, je rigole pas, c'est pas du... C'est bien, mais c'est de la résine, mais t'as vu comme c'est doux. C'est le plastique qui fait ça. Mais je trouve que c'est super beau, parce que surtout qu'on a... C'est un peu rouge au niveau des coudes. Il y a un grade poussière à travailler. Il n'y a pas des grosses veines, etc. Ça reste Hélène Ripley. Quelqu'un sous tension. Ouais, c'est ça, exactement. Bien fait. On voit quand même qu'elle travaille, même au niveau des phalanges, légèrement plus rouge que le reste. On voit que elle a vécu, forcément, on connaît le film. Et ils ont même pensé à la petite montre. Ouais, la montre, les ongles, les toutes petites veines qu'on a juste sur le paume de, sur sa main, etc., de sa main. C'est super précis. Blitzway a vraiment shooté les statues et montre à quel point les prochains un tiers Terminator vont péter leur mère. Parce que ça va péter. S'ils font ça en un tiers, comme la Zobuture aussi, qu'ils vont faire, ou en un quart, on voit que Blitzway, malgré qu'ils ont déjà un haut level, je trouve qu'ils ont monté d'up. Parce que c'est 1600€. Franchement, je me rappelle du parrain. Il était vraiment beau. Mais Blitzway, j'ai découvert avec le parrain. Ouais, c'est vrai, mais toute seule. Puis ensuite, on a eu. Bruce Lee? Non, Bruce Lee, et puis ensuite, la chanteuse. Ah, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, ouais. Merci. Et après, on a eu le crossover Prime Bitsway, et là, on est monté dans ils se sont libérés. Ça, tu magnifique. Alors ensuite, pour le vêtement, alors tout est en mix média, mais tout, il n'y a aucun élément de résine, c'est vraiment à part les chaussures qui sont en résine. Non, scratch et tout, et ça, tu donnes l'accrocher par exemple. Ouais, c'est ça, oui, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment un produit très très poussé et hyper riche, parce que là, on est vraiment sur du mix média full. T'as juste la statue en résine qui fait la peau, les chaussures, mais tout le reste, bien travaillé. Ah ouais, c'est au même en caoutchouc.
Ah ouais, bah bon, ouais. Miss Media jusqu'au bout. C'est vrai. Donc là, full vêtement. Que dire que voilà, il y a vraiment un truc poussé, même les tirettes, le pantalon est méga bien fait. Il y a des salissures partout, comme quand on utilise vraiment un vêtement. Donc on a vraiment les usures au niveau des plis du t-shirt, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Le pantalon, pareil, il retombe et il est resserré comme à l'époque avec les chaussures de Ripley. Pourquoi il écrit Ripley sa chaussure? Ils n'avaient pas la licence pour la marque. Hein. C'est tout. Bah, peut-être qu'il... Je t'avoue que j'adore ce film, mais j'ai failli me mater hier soir en plus. J'ai fait m'intéresser, mais j'ai fait hook à la place. Mais je sais plus ce qu'il y a sur ces chaussures. En tout cas, je pense pas qu'ils sont marqués Ripley. Après, bah si, peut-être tellement dans les trucs, les voyages interspatiaux, bah il y a. Ah oui, leur combi. Leur combi, je pense bien, ouais. Après, c'est beaucoup écrit Ripley au cas où. Parce que dans le dos de la chaussure, gauche. Moi, je pense qu'ils avaient juste pas les droits de la licence pour la chaussure. L'imagine, c'est Nike, ils ont pas la licence. Il faut payer. Tu payes en plus. Ouais, c'est un peu chaud. Donc voilà. Mise média parfait. Alors on se revient sur le flag, assez particulier parce qu'en fait vous avez le premier fusil qui est bien dans sa main et le deuxième en fait vient s'accrocher avec la lanière et se pose sur sa main. Comme quoi elle fait quand elle le pose et qu'elle utilise les deux en alternance. C'est bien pensé. Faut comme comprendre. Moi je trouve au montage c'était pas très très précis, mais bon voilà. Et certaines personnes ont pris la lanière et l'ont entourée autour des deux flags. C'est possible aussi, moi j'ai préféré laisser comme ça ouvert, mais les fusils sont magnifiques. Le battle damage, le métal de coup utilisé, c'est pour du plastique. Ouais. Pour du plastique. Ouais, parce que voilà, c'est le problème de Bitsway au final, le problème en soi, c'est qu'on paye assez cher, mais on se défend, on se dit ouais, mais la résine, où est-ce qu'elle est? C'est la résine, elle est que dans le socle, là. Le reste, c'est que du plastique. Mais après, la finition est dingue, nettement au-dessus d'une résine. Donc voilà, on paye plus la finition et le travail qu'autre chose en moi. Ensuite, on arrive sur ce fameux socle. Alors, ce qu'il y avait déjà, c'est que la rambarde, elle est en métal. Elle s'en va bien. Mon gars, vas-y, comme elle est. Ouais, non, j'ai senti. Full métal. Ça, c'est cool, parce que le mix média, du coup, est à fond dedans. Elle est magnifique. Les usures de la corrosion, elle est aimantée dedans. Elle se bloque nickel. Elle donne en plus, c'est ce qui manquait à la Rocky entière de chez PCS. Le côté un peu fermé, tu vois. Ah oui, oui. Parce que là, on est sur la ring, bien sûr. Mais là, t'enlèves ça, ça fait un bête socle. Comme la Big Shop. Même si la Big Shop, c'est super beau, tu vois. Mais alors que là, ça referme. Tu devines escalier, tu devines un précipice, tu devines tout, rien qu'avec la rambarde, tu vois. C'est vraiment très fort. Ensuite, Joe, le reste du socle. Reste du socle, on a justement ce grillage qui est hyper propre, bien travaillé, avec justement l'acide de l'alien qui est utilisé pour faire fondre. Donc franchement, le travail est propre, même si on voit que c'est la découpe pinceau, en fait. Ouais, c'est moins prononcé que la Link Queen ou le Big Shop. La Link Queen ou le Rogue Alien. Mais c'est un autre travail encore, c'est très différent. Peut-être plus réaliste aussi, les autres, ouais. Des versions comics. Ensuite, on a tout ce qui est parti visqueux, xénomorphe, on va dire ça comme ça, qui est autour du truc. Pas trop présent, donc c'est bien, ça libère par rapport justement au Alien Queen et Alien Rogue. Bah, ça change un tout petit peu. Tout le travail du reste, bah, ça nous rappelle justement cette station qui est située. Très beau travail à tous endroits. J'ai envie de dire qu'il y a même la tuyauterie qui est un peu partout. Beau travail de rouille et tout. Il y a même des câbles, regarde en dessous. Des petits câbles, je veux dire. Ouais, des vrais câbles. Ouais, des vrais câbles. Ouais, mais c'est pour le bouton qui fait. Ah oui. Donc, comme disait Jordan, sur le flanc gauche de notre côté, vous avez un bouton, en plus qui est vraiment pas caché, qui permet d'avoir un effet de coupe de trou, en fait. Alors, j'adore. En fait, c'est alors super que bien on fait. Sait que c'est terminé là, j'ai l'impression qu'il y a un fou. Ouais, mais alors. L'idée est géniale, le fait d'avoir fait, je trouve ça terrible, surtout que c'est un effet qui est rarement utilisé dans les statues, donc le truc cool. Le seul problème d'après moi, c'est ce miroir quand c'est éteint. C'est con à dire, mais en fait. Pour défendre. J'ai regardé la vidéo de Sam. Ouais. Le truc, c'est que déjà, ce qui est con, pas de câble. Moi, j'aurais foutu le truc ici, câblé. Hop, parce que tout le monde va voir l'exposée lumineuse, parce que je trouve qu'elle a une add-on en beaucoup plus. Alors, on vend sur Amazon ça, en fait. Des piles que tu mets là qui sont branchées sur un câble, tu dois juste le faire passer juste ici. C'est possible, quoi. Voilà, tu vois, et puis elle est branchée, puis c'est bon, et branchée à vide. Après, sans pile, ça me dérange pas, moi. Parce que ça va consommer énormément. Ouais, mais regarde le bouton, ça prend 15 secondes, faut pas déconner. Ouais, et si je la laisse allumer comme ça, certains, on la laisse allumer comme ça toute la journée. Fin de journée, ouais. Éclairage, on va juste faire. Dernier éclairage qu'il y a également, c'est ici, donc ça rajoute une lumière un peu plus présente face à la statue, c'est vraiment cool. L'idée est chouette, prime encore une fois à proposer un produit hyper complet et très, très poussé. Dernière chose, en version bonus, vous aviez du coup en précommande ce fameux petit facehugger. En un quart. En un quart forcément, oui. Alors, encore une fois, ce genre d'item, c'est cool comme serre-livre, c'est chouette, mais j'aurais voulu un moyen de le mettre là. Parce que si on le met là, c'est dégueu, avec le gros socle alien écrit dessus, mais j'aurais voulu, regarde, tu vois, imagine-le là sans le socle. Ça aurait été pas mal, tu vois, l'avoir comme ça.
J'aurais voulu juste qu'il y ait Apex ou un moyen de l'enlever, de le mettre, comme ça les gens le mettent ou mettent pas, il n'y a pas de problème. Mais l'avoir juste mis sur le coin, il aurait ajouté un truc plus oppressant à une replay. Bah en fait c'est marrant parce que du coup tu vois le côté Bitsway et la Prime. Et du coup ça match. Cette fois-ci ça match pas. Parce que bah du coup, on voit que Primeman a dû s'occuper de très peu de choses par rapport à la replay. Et ben. Ils sont lâchés sur le socle. Après, le socle est génial, l'idée c'est du prime, il n'y a aucun problème. Et pareail, l'idée est géniale, mais cet item-là est cool. Mais vraiment, tu le mets, enfin, si tu le mets à côté, ça casse l'envergure de la statue. Ouais, c'est quasi toutes les bonus versions, t'as le même problème. T'as un truc où tu te Le proleur, mais pareil, il va faire ses gueules dégueu comme ça tout seul. Ouais. Okay, enfin, c'était un peu con. Donc l'item est quand même dedans, c'est cool. On est limité à 790 pièces au monde. 790 exemplaires. 1 600 € la produit, en tout cas chez nous. Alors, est-ce que ça vaut le prix ? Alors, ça vaut son prix d'un point de vue finition, d'un point de vue travail, d'un point de vue aura, magnifique. Est-ce que ça vaut son prix à la résine ? Non, parce qu'il n'y a pas de résine. Mais je crois qu'on ne paye plus la résine. On paye le travail des artistes derrière. De toute façon, on en parle dans une vidéo. Il y a des trucs. Mais c'est comme les Media House. J'en parle souvent. Ouais, 300, 500 balles la statue. Mais en fait, quand je vois le Kaido qu'on a proposé à 500 € en PVC, il valait une résine à 500 €. Donc au final. Ça me choque toujours parce que moi je suis la vieille école où les résines tu payes au poids, façon de parler. Là c'est vrai que maintenant je préfère avoir une statue comme ça, je paye 1600 balles que de dire ouais, écoutez, voilà, vous avez en résine mais c'est 1200 balles. C'est le travail de finition et tout, tu te dis ok, Bitsway a tapé fort. Prime sur le sol, bon c'est Prime, on va dire, il n'y a pas grand chose à montrer dessus. Mais là tu te fais ok, t'as bossé, bah t'as payé pour les artistes qui ont bossé dessus. Ouais, et là tu te dis ok, sachant qu'il y a 790 exemplaires c'est que dalle. Comme ça. C'est que dalle. Franchement. Ma dernière chose que j'aurais peut-être voulu avoir, c'est une version aussi où elle tient Newt dans les mains, peut-être qu'à voir plus tard, tu vois, qu'elle est la gamine, parce qu'il y a la fiche où elle tient la gamine, où elle est effrayée. J'aurais trouvé ça cool qu'il la fasse dans un format 1/4 aussi, ou qu'il fasse X, le sergent X, tu vois, à côté, mais soit en mode soldat ou en mode agressif, parce que Ellen Ripley, c'est la base. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne tient pas. Parce que les gens, tu vois bien, ici ils ont annoncé les derniers tirages de plein de statues, et tu t'es fait 90. 80 ouais, le Black Adam, j'ai vu en Bitsway justement. Bah ouais, celui qui était limité déjà de base, 300 exemplaires, au final il est descendu à 90. Tu te fais, les gars, waouh. Du coup, malheureusement, le marché, oui, comme on l'avait prédit, c'est restreint. Franchement, je pense que là, il clôture, c'est bon. On passe à autre chose. Les xénomorphes, t'en rendras toujours parce que c'est des xénomorphes. Ellen Ripley, ouais. Mais par contre, Ellen Ripley, au bout de la 2-3ème, tu te fais. Ouais, d'accord. Une série de choses aurait été pas mal, mais ils auraient fait trop une version. Bien sûr, pour l'instant, ils sont dans un autre délire. Ouais, c'est vrai, à fond. Donc voilà, la pièce à quoi dispo, je vais au magasin. Oui, dans une rester encore quelques-unes. Vu le peu nombre de retours que j'ai eu, ouais. Moi je pense que. Comme d'habitude, malheureusement, beaucoup de gens précommandent chez nous et payent doucement. Et puis à la fin, arrivé, ils font ah non, j'ai plus envie, j'ai plus de place, j'ai pas d'argent. C'est un peu compliqué. Mais du coup, vous verrez le produit disponible en magasin et sur le site comme à chaque fois. Payer en plusieurs fois ou payer d'un coup, d'une fois que tout est payé. On vous l'envoie, vous venez la chercher, on bulle les produits, on assure, assurance, suivi, etc. Donc, encore une fois, on fait notre boulot un maximum. On s'excuse récemment des problèmes de logistique dû au fait qu'on est vraiment sous-effectif, on vous le rappelle, mais on espère, après cette vidéo que vous avez publiée, que ça sera enfin réglé parce qu'il y en a marre. Moi, je compte janvier. Ouais, t'as plus, là, mon gars, on fait descendre tous les deux, t'es mort. Hein. Bah, on est mort. Franchement, je m'y attends, donc franchement. Il y en a, il est bourré au Japon, l'autre. Et l'autre, voilà. C'était les explications de Jordan, très précises et très concises, c'était génial. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire à cette vidéo. Si vous avez des amis qui sont intéressés par Alien, par Prime One ou quoi que ce soit d'autre, partagez leur vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.